I'm Sabrina Carpenter. I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I'm not one of those artists, too, that's going to shut myself off from reading every little thing about me. Yeah. I would rather know and accept it and be like, ooh, well, ooh, that's what they think, and I think this. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons dresser le portrait de la nouvelle grande star du moment. J'ai nommé Mademoiselle Sabrina Carpenter. Nouvelle sensation pop de 2024, comme elle est décrite dans les journaux. On la voit partout, partout sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. On l'entend forcément aussi sur les radios. Le tube qui a régné sur l'été s'appelle Expresso. Espresso, pardon. Elle vient de sortir un nouvel album, elle part en tournée, donc voilà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette étoile montante, j'allais dire, mais qui vient déjà d'atteindre les étoiles, donc elle est déjà en haut, bien que ça ait pris beaucoup de temps. Ça a pris 10 ans. Revenons à l'origine des événements. Sabrina Anlin Carpenter est née le 11 mai 1999 en Pennsylvanie. Elle a passé son enfance à East Greenville, où elle a été scolarisée à domicile, entourée de ses sœurs ainsi que de ses parents, David et Elizabeth, qui sont chef cuisinier et chiropractrice pour sa maman. Elle est la nièce de la célèbre doubleuse Nancy Cartwright qui double Bart Simpson. Alors j'étais choquée, je crois que c'était un mec qui doublait Bart. Non, c'est elle. Et elle fait aussi partie de la Scientologie, un échelon assez élevé. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs, est-ce que Sabrina fait partie de la Scientologie ou pas? Bon, elle a répondu à ça à un fan sur les réseaux en disant que non. Bon, en tout cas, voilà, je me base sur les dires de Sabrina, elle dit que non. Donc bon, écoutez, croyons-la là-dessus. Hein. Dès l'âge de 10 ans, Sabrina et sa sœur Sarah ouvrent une chaîne YouTube où elles vont chanter des covers de Christina Aguilera et Adele. Et là, son père va se rendre compte que ses filles sont quand même douées, surtout Sabrina. Donc il va construire un petit studio d'enregistrement afin de l'encourager dans sa passion. Et c'est en 2019 que Sabrina va se faire remarquer en finissant troisième à un concours de chant baptisé The Next Miley Cyrus Project, donc le projet de la prochaine Miley Cyrus, organisé par Miley Cyrus elle-même. Donc à cette époque-là, la star de Hannah Montana. Pop it, lock it, polka, daddy, country, father, and hip-hop it. Put your hawk in the sky, move side to side, jump to the left. Donc c'est quand même pas une place dégueulasse hein, pour une toute petite comme ça de 10 ans, troisième. Mais du coup ça renforce encore plus sa volonté de devenir une pop star parce qu'elle est devenue complètement fan d'Hannah Montana. Du coup, afin de mettre toutes les chances de son côté, la famille déménage à Los Angeles. Elle va d'abord devenir actrice, donc elle va faire ses premiers pas dans un épisode de New York Unité Spéciale. Elle va aussi interpréter une chanson d'Etta James pour une série pilote qui s'appelle The Unprofessional. Et en 2013, elle décroche un rôle récurrent dans la sitcom The Goodwin Games. La même année, elle prêtera aussi sa voix au personnage de la princesse Viviane dans la série d'animation Princesse Sophia. Elle apparaîtra même en 2013 aux côtés de Daniel Radcliffe dans le film Horns. Et c'est cette même année qu'elle va décrocher le rôle qui va marquer un grand tournant dans sa carrière. Il s'agit du rôle principal, celui de Maya Hart, dans la série de Disney Channel Le Monde de Riley. Et elle jouera dedans jusqu'en 2017. Donc cette sitcom, c'est une suite, un spin-off de Incorrigible Cory. Et bon, bah là, pendant les trois saisons, hein, ça va la propulser au-devant de la scène. Elle partage l'affiche avec Rowan Blanchard et elles vont même toutes les deux chanter le générique de la série. Du coup, elle va signer un contrat avec le label Disney Hollywood Records. Et elle sort donc un single qui s'appelle Can't Blame a Girl for Trying, ainsi qu'un EP à son propre nom, qui va être salué par la critique. Dans la foulée, elle va participer à d'autres chansons pour Disney, dont la chanson du film Le Garçon Idéal. Elle va aussi prêter sa voix pour une version de Je voudrais un bonhomme de neige. Et c'est en 2015 que sort son premier album,
Eyes Wide Open, alors qu'elle n'a que 15 ans. Le disque va être récompensé par 2 Radio Disney Music Awards. Et côté cœur, oui, ça commence à flirter, elle va être en couple avec Bradley Steven Perry pendant un an, de 2014 à 2015. Et elle va ensuite fréquenter Corey Fogelmanis, qui est donc son partenaire dans la série. En 2016, elle franchit encore un nouveau palier en décrochant l'un des rôles principaux dans le film Babysitting Night aux côtés de Sophia Carson. Et elle va même chanter l'un des titres du film Wild Side. Pour les anciens de ma génération, c'est un remake de Nuit de Folie. J'adorais ce film. Et elle n'arrête pas. La même année, en 2016, toujours, elle sort un deuxième album qui s'appelle Evolution, où on a les titres On Purpose et également Thumbs, qui vont être certifiés platine. Et elle entame même une tournée Evolution Tour. Elle continue à chanter pour d'autres projets sur Disney Channel, dont le générique de la série Andy. Elle va aussi faire quelques featurings, comme Hands avec le groupe The Vamps. Ce sera en 2018. Et elle commence à vouloir un petit peu s'émanciper de l'image des écuries Disney, comme toutes les starlettes de chez Disney. Maintenant, vous connaissez la musique. Du coup, on la retrouve en 2019 dans le film The Hate U Give, puis dans une comédie pour ado Tall Girl, et elle va aussi apparaître dans la série Orange is the New Black avant d'obtenir le rôle principal dans la série Work It, produit par Alicia Keys, et elle va également être productrice dans ce projet. Et là, elle change complètement de registre en jouant dans un film, c'est un drame biographique qui s'appelle Clouds et qui retrace la vie du jeune musicien Zach Sobieg qui a souffert d'un cancer. Il en est décédé, donc c'est pas très gai, et c'est aux côtés de Neve Campbell. Parallèlement à ses projets cinématographiques, elle va encore sortir des albums, dont un en 2 parties qui s'appelle Singular Act 1 et Singular Act 2. On y retrouve les tubes Almost Love ainsi que Sumi et In My Bed. Et justement, on va s'arrêter un peu sur les titres Sumi, qui signifie, on traduit ça par, en gros, poursuivez-moi en justice. Donc là, ça soulève un gros pataquès qui lui est arrivé. Nous sommes en 2017, quand Sabrina est poursuivie en justice par ses anciens directeurs musicaux pour ne pas leur avoir payé de commission après les avoir licenciés. Du coup, ces deux directeurs musicaux, il s'agit de Stan Rogo et de Elliot Lurie. Donc elle est poursuivie, elle, ainsi que ses parents et son manager, pour rupture de contrat, et demandent donc des dommages-intérêts ainsi qu'une restitution. Ils affirment qu'ils ont été recrutés après que Sabrina ait signé avec le manager Bill Pearlman parce qu'elle souhaitait renforcer sa représentation dans l'industrie musicale. Ils ont donc signé un accord de gestion musicale en 2011 et ils devaient donc recevoir la moitié des commissions du manager de Sabrina, donc Bill Pearlman. Et le procès précisait que Sabrina avait signé un accord de 5 albums avec Hollywood Records. Et elle avait obtenu le rôle de Maya dans la sitcom, donc Le Monde de Riley, grâce à l'intervention directe de Stan Rogo, donc l'un de ses directeurs qui porte plainte. Et ils affirment également avoir travaillé avec diligence pour promouvoir sa carrière jusqu'à leur licenciement brutal et inopiné en août 2014. Alors selon eux, ce licenciement était sans motif. Ils ont en outre affirmé qu'ils avaient droit à une part des revenus de Sabrina provenant de ses albums Eyes Wide Open ainsi que Evolution. Bon, au final, Sabrina a gagné le procès, mais ça a quand même fait du bruit, et en plus de ça, c'est pas fini, parce qu'elle va aussi rompre son engagement avec les studios Disney, enfin Hollywood Records, mais c'est associé à Disney, parce qu'elle en a marre en fait. Elle veut tout simplement changer complètement de direction artistique. Du coup, dans cette optique d'émancipation, elle va rejoindre la troupe de la comédie musicale Mean Girls qui se produit à Broadway, seulement pas de chance. Elle fera qu'une seule représentation parce que la pandémie va pointer le bout de son nez, donc tout va être fermé et la comédie musicale va complètement tomber aux oubliettes. Donc côté cœur dans tout ça, elle a fréquenté Griffin Gluck de 2019 à 2020. Ensuite, elle va se mettre pendant un an avec l'acteur Joshua Bassett, l'ex de la chanteuse Olivia Rodrigo. Et là, ça va être le drama de l'année qui, quand même, va faire un coup de pub à Sabrina. Malheureusement, pas dans de très bon sens. Elle va devenir en 2021 complètement persona non grata par des fans de pop qui sont surtout du côté de Olivia Rodrigo, parce que cette dernière va sortir un titre qui s'appelle Driver's License, où sans
nommer les noms, mais bon, tout le monde a capté hein, qu'elle parlait de Sabrina. Elle parle d'elle comme l'autre femme, une femme blonde, plus vieille qu'elle, qui lui aurait volé donc son copain. Donc là, on parle hein, de Joshua Bassett. Bon, à l'origine, ça aurait juste eu dû être un petit drama, voilà quoi, d'adolescent. Sauf que ça va prendre une telle ampleur sur les réseaux. On va parler de triangle amoureux, de tromperie, de voleuse d'hommes. Enfin bref, ça va complètement partir en sucette. Ça va s'enflammer. Surtout aussi parce que le titre de Olivia Rodrigo va cartonner. Et concrètement, le seul tort de Sabrina, c'est juste d'être sortie avec l'ex de quelqu'un qui vient de faire le buzz avec une musique. Donc elle va subir une vague de harcèlement. Du coup, elle va en jouer, parce qu'en janvier 2021, elle quitte donc Hollywood Records pour signer chez Island Records. Elle sort un nouveau single qui s'appelle Skin, et qui marque bah là, effectivement un nouveau départ. Le titre va très bien se vendre. Elle va même dans la foulée tourner la suite de Tall Girl, et aussi un thriller horrifique, Emergency. Et elle sort donc un cinquième album qui s'appelle Emails I Can't Send, acclamé par la critique. On y retrouve les tubes Nonsense et Feather. Et elle lance même une tournée pour promouvoir cet album qui s'appelle Emails I Can't Send Tour, tout simplement. Et du coup, bah, cet album, au-delà du tournant, hein, bah, il va justement représenter tout ce qu'elle vient de traverser. Donc toute cette histoire, le triangle amoureux, tout ça. Elle va canaliser toute sa rage et toute sa peine dans cet album, qui est considéré comme une réinitialisation de sa carrière. Je me suis vraiment sentie retenue là où j'étais. J'ai dû me battre pour en sortir, mais je suis reconnaissante envers mon ancien patron de label de m'avoir permis de partir. Donc le single phare Nonsense lui permet de se faire vraiment un style très particulier, parce qu'à chaque fois qu'elle chante en live, elle change l'outro, comme on dit, donc la fin. Donc en fait, c'est d'autres paroles à chaque fois. Donc ça crée toujours un engouement pour les gens qui viennent la voir sur scène. À chaque fois, ils se demandent qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore à la fin de ce titre. Donc c'est devenu sa signature. Et elle dit justement, j'en ai écrit 900. J'ai dit beaucoup de choses provocatrices que je ne fais pas ou que je ne ressens pas. Et j'ai besoin de rimes, je deviens à court. Oui, alors effectivement, ce qu'elle sortait, c'était assez... voilà quoi, c'était assez trash. Mais bon, voilà, c'était la petite particularité. Et alors là, consécration encore plus, elle va être invitée par Taylor Swift elle-même pour faire la première partie de sa tournée, The Eras Tour, concernant la partie Amérique latine. Ça va lui donner encore plus de visibilité. Les outros, justement, ça n'a pas toujours très bien passé, vu le public hein, de Taylor Swift, mais ça va, pas de gros drama autour de tout ça, pas trop de polémiques. Et puis surtout, ça lui permet, malgré ses tournées à elle, hein, de là toucher un public beaucoup plus large. On parle de dizaines de milliers de spectateurs. Elle va également être beaucoup conseillée par Taylor Swift, et ça va également lui ouvrir de nouvelles portes. Donc une fois qu'elle termine ce bout de tournée avec Taylor, elle termine un album. Elle était en train de travailler sur un album entre deux tournées, parce qu'après elle a continué aussi à faire des concerts. Et cet album-là s'appelle Short and Sweet. J'étais entre deux tournées, ce qui est encore plus fou. J'étais dans un état d'esprit où je me disais qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir pour l'instant, qu'il fallait que j'écrive comme je le sentais. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas enregistré une chanson, que je n'ai pas co-écrite. J'ai beaucoup de chance de ne pas avoir de gens autour de moi qui me disent quoi faire. Cet album est très différent de mon dernier. Je l'ai remis en question jusqu'à la veille de sa sortie en me demandant s'il était bien fini, si j'aurais pu le changer ou si j'aurais pu écrire une autre chanson. Je l'ai appelé Short and Sweet pour de multiples raisons. C'est vraiment parce que j'ai pensé à certaines de ses relations et au fait que certaines d'entre elles étaient les plus courtes que j'ai jamais eues et qu'elles m'ont le plus affectée. Je réfléchis à la manière dont je réagis aux situations, et parfois c'est bien, parfois moins bien. Et encore une fois, les albums, les projets, l'écriture des chansons, tout ça, ce sont des moments. Il est donc plus difficile pour les gens de comprendre que lorsqu'ils écoutent quelque chose qui va les accompagner pendant de nombreuses années, espérons-le, c'est que je ne suis pas la même personne que je suis que lorsque j'ai écrit cette chanson. Du coup, voilà la tournée de Taylor en 2023. Son album, donc, qu'elle a préparé entre-temps, bah, il sort. Mais avant de sortir, sort d'abord le single Espresso, qui va complètement tout cartonner. Il va être en tête des charts dans plusieurs pays. Ça va être le tube de l'été. Oh,
et l'album Short and Sweet est donc sorti le 23 août dernier. Et parenthèse, hein, côté cœur, depuis 2023, elle est en couple avec un acteur irlandais qui s'appelle Barry Keoghan, qui apparaît également dans son clip Please Please Please. Moi, j'ai beaucoup aimé le clip Taste, parce qu'il y a Jenna Ortega dedans. C'est un clip, je le trouve très drôle. Enfin, il apprend avec beaucoup de second degré, hein. Il est complètement gore. Mais voilà, ça a été pareil, l'un des clips de l'été. Et c'est la Julie du montage qui vous parle, car toute la partie où je vous expliquais l'histoire derrière ce clip, bah, en fait, mon micro s'est coupé. Donc, veuillez m'excuser, je vais vous faire cette partie en voix off. Donc, j'allais vous raconter l'histoire cachée ou pas derrière ce clip, qui est grandement inspiré du film « La mort vous va si bien ». C'est un vieux film, c'était un de mes préférés d'ailleurs quand j'étais gamine. C'est avec Meryl Streep, Goldie Hawn et Bruce Willis. Et en fait, dans ce film, on a deux femmes qui se disputent l'amour d'un homme et elles vont passer leur temps à s'entretuer. Bon, elles sont immortelles, mais vont quand même se faire les pires crasses. Et donc le clip, comme je vous disais, de Sabrina est grandement inspiré de ce film. Et donc, selon les détectives du net, ça ferait complètement référence à un autre triangle amoureux dans lequel Sabrina s'est retrouvée empêtrée, avec Shawn Mendes et Camila Cabello. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'histoire déjà entre Camila et Shawn Mendes, donc ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, ils ont rompu en 2021. En 2023, Shawn et Sabrina ont été vus à plusieurs reprises assez proches. Et on a pu voir de nouveau Camila et Shawn, pas très très proches, hein, au festival Coachella de 2023. Mais Camila a déclaré qu'ils ne se remettaient pas ensemble pour autant. Avec la sortie donc cet été, là au mois d'août, de l'album de Sabrina, les rumeurs de triangle amoureux ont commencé à grandement exploser à cause des paroles de certaines de ses chansons, notamment Sharpest Tool, Slim Pickings, Coincidence et donc Taste. Le titre donc de ce clip. Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme paroles qui ont mis la puce à l'oreille de tout le monde? Tu te demandes pourquoi la moitié de ses vêtements ont disparu, ils sont sur moi, j'ai entendu que vous étiez à nouveau ensemble et si c'est vrai, tu devras me goûter lorsqu'il t'embrassera. Si tu veux que ça soit pour toujours, et je parie que tu le veux, sache juste que tu me goûteras moi aussi. Bon, je pense que c'est assez explicite. Dans une autre chanson, elle dit que ce type-là ne sait même pas faire la différence entre there, there et they are. Bon, si je vous le traduis en français, ça veut absolument rien dire parce que c'est pas du tout des mots qui se ressemblent. Mais qui fait ce genre de faute d'orthographe? Je vous le donne en mille. Shawn Mendes. Ensuite, il y a un autre couplet où elle dit « La seconde où j'ai posé ma tête sur sa poitrine, tu l'as su, tu as un sixième sens. Maintenant, son nom est ressorti une fois, puis une deuxième fois. » Alors qu'elle n'était même pas là, elle est de retour dans ta vie. Maintenant, elle est dans la même ville. Quelle surprise, ton téléphone est mort. Tu as conduit ta voiture de Los Angeles jusqu'à ses cuisses. Palm Springs a l'air sympa, mais qui est à côté de toi? Elle ressemble beaucoup à la fille dont tu étais passée au-dessus, à qui tu ne pensais plus, quoi. Du moins, c'est ce que tu avais dit. Et encore d'autres lyrics. Quelle coïncidence. Oh, waouh, vous avez de nouveau rompu. Quelle coïncidence. Et encore dans le morceau. Morceau Dumb M poétique. Tu es tellement triste, il n'y a aucune communication. Mes bébés, tu nous as mis dans cette situation. Tu cours tellement vite de cœur en cœur que tu brises. Garde ton souffle pour faire ta méditation. Tu es tellement empathique que tu ferais une bonne femme. Je te promets que les champignons ne changeront pas ta vie. Alors ça, tout le monde y a vu comme une référence au fait que Shawn Mendes avait apparemment était tombé dans une secte. Donc, il fait beaucoup de méditation, des trucs comme ça, quoi. Bref. Donc, si on se base sur ces paroles, on comprend que Shawn Mendes aurait trompé Sabrina avec son ex Camila. Du coup, on a eu une réponse de Camila en chanson sur le titre June Gloom, où elle dit « Si elle est tellement extraordinaire, pourquoi es-tu de ce côté de la ville? Si tu l'aimes tant que ça,
pourquoi essayes-tu de comprendre? Est-ce qu'elle est mouillée pour toi, bébé? Elle parle de toi en poème et en musique. Est-ce vraiment de l'amour ou est-ce que c'est pas si ouf que ça? Bon, voilà, c'était assez graphique, hein. À certains moments, on s'en serait peut-être un peu passé. Mais bon, voilà les réponses de Camila. Tout ça pour que finalement, on revoie Camila et Shawn Mendes à nouveau ensemble le 14 juillet dernier. Bon, on ne sait pas s'ils sont à nouveau en couple. En tout cas, ils avaient l'air de très bien s'entendre. Et les internautes vont encore plus loin en remarquant que Camila a changé complètement de look. Désormais, elle est blonde. Elle n'arrête pas de liker des posts de Sabrina. Donc, tout le monde dit qu'en fait, elle serait obsédée par Sabrina et qu'elle essaierait de lui ressembler. Bon, ça, je ne sais pas trop. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que si vraiment le clip Taste fait référence à toute cette histoire, eh ben, il n'empêche que, comme dans le film, à la fin, les deux filles se retrouvent ensemble. Le type est mort, donc il n'est plus dans le décor. Et elles finissent par devenir meilleures ennemies. Amis ennemis. Donc quand on voit que malgré tout, Camila encense le titre Espresso de Sabrina et que parfois lors d'événements elles sont prises ensemble en photo, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux femmes. Ou alors, on peut aussi penser que c'est juste un gros coup de pub. Alors oui, il y a peut-être eu une histoire de tromperie dans l'air, mais ça se serait plus transformé en coup de pub parce que Camila sort également des nouveaux sons au moment où Sabrina sort aussi son nouvel album. Donc ça profiterait à tout le monde. Donc voilà un petit peu le drama autour de ce triangle amoureux. Donc on l'a vu à Coachella, elle a mis le feu. Elle a également été présente au MTV Video Music Awards où on l'a vu embrasser un alien. On a même eu la réaction de Britney Spears par rapport à ça. Elle a trouvé la prestation assez bizarre. Je suis d'accord, c'était très très bizarre. Mais il n'empêche que grâce à cette prestation-là, bah ça a boosté les streams de son album. Donc ça lui a fait une très bonne pub, cette bizarrerie. Et là, du coup, depuis le 23 septembre, elle a lancé sa tournée Short and Sweet. Et on a pu constater qu'elle a abandonné ses fameuses outro de Nonsense. Maintenant, à la base, elle reprend des chansons. Elle a notamment repris Mamma Mia de ABBA. À la place, elle a lancé un autre concept. Elle choisit les chansons avec le jeu de la bouteille là, qu'elle fait avec ses danseurs. Et bon bah là en l'occurrence on a pu voir qu'elle a récemment chanté Mamma Mia du groupe ABBA. Donc voilà, elle a lancé quand même une autre petite particularité dans sa tournée. Et on pourra la voir prochainement là pour Noël, elle va faire concurrence à Mariah Carey entre guillemets, car elle va préparer son premier Christmas special sur Netflix. Donc ce sera sa première émission spéciale fête de Noël, où elle va proposer des duos inattendus ainsi que des invités comiques. Donc ça s'appellera le Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter. Les fêtes ont toujours été très spéciales pour moi. Je suis ravie d'apporter mon point de vue à une émission de variété classique sur les fêtes, en y insufflant mon amour de la musique et de la comédie pour créer quelque chose qui me ressemble. On a également pu très récemment l'entendre chanter en duo avec Christina Aguilera. Elles ont repris What a Girl Wants. C'était pour le 25e anniversaire du premier album de Christina Aguilera. Et voilà, donc là, le vent en poupe, je vous cache pas que j'avais jamais entendu parler d'elle avant cet été. Voilà, j'ai commencé à la voir de plus en plus. J'ai vu notamment qu'elle s'était pris un feu d'artifice sur scène lors d'un concert. Il n'y a rien eu de très grave, hein. Elle est partie de scène, mais ça fait le tour des réseaux, ce truc-là. Et j'ai vu que, bah, on la voyait partout. Je me disais, mais qui c'est cette jeune fille? Elle a su mélanger plusieurs ingrédients qui font qu'elle a sa personnalité, elle a son univers. Et je comprends du coup qu'elle plaise beaucoup aux jeunes. Mais c'est dingue de voir comment elle a énormément changé, je trouve. Bon, elle a grandi, certes. Ça m'impressionnera toujours de façon de voir ceux qui viennent des écuries Disney, ils respirent l'innocence. On sait qu'il ne se passe pas toujours des choses très joyeuses hein, sur ces plateaux de tournage. Mais après, je ne sais pas, ils sont toujours un peu trop sexualisés, je trouve, pour la plupart. Et je trouve que Sabrina joue beaucoup sur ce truc. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très sexualisée hein, là, sur ses shows, tout ça. Bon, l'adulte a fait ce qu'elle veut. Hein. Ouais, elle a vraiment ce côté pin-up très sexy, un peu provocatrice, mais sans trop basculer dans le trash niveau visuel. Mais je vous cache pas que moi, le coup du baiser avec l'alien, je l'ai pas compris non plus. Enfin bref, donc voilà, c'était mon avis sur cette petite jeune. Vous aviez été quand même pas mal à me demander une vidéo sur elle, donc j'espère que ce portrait vous aura fait plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Mouah. Bisous, ciao.